Aujourd'hui, je vais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur. C'était une rencontre plutôt spéciale. Spéciale dans le sens où, comme la Bible déclare, Dieu ne vient jamais ni trop en retard, ni trop en avance. Parce que quand le Seigneur a fait son entrée dans ma vie, vraiment, j'étais vraiment dans un état chaotique. Lui, il sait de quoi je parle. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il sait comment faire les choses. C'est pourquoi il faut toujours faire confiance à Dieu. Vraiment, je ne le connaissais pas. J'entendais tout le temps parler de Jésus. Mais entendre parler de Jésus et le découvrir, savoir qui il est, ça c'est une autre chose. Alors le jour où j'ai vraiment rencontré le Seigneur dans ma vie a été complètement chamboulée. Parce que je sortais d'un divorce très difficile. Très, très difficile. J'étais complètement émiettée. Et en plus de mon divorce, j'étais malade. Et très, très malade. À un point où les médecins ne savaient plus quoi faire de moi. Alors, c'est pour vous dire, je me retrouvais moi-même en train de me lamenter sur la maladie, le divorce. Alors, ce n'était pas quelque chose de facile. Alors, quand le Seigneur a fait son entrée dans ma vie, je vous dis franchement, je n'ai pas eu la guérison tout de suite, mais au niveau de mon âme, au niveau de ce qu'il a fait pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Et cela, même quand je souffrais dans mon corps qui était malade, mais cette rencontre a fait que j'ai pu supporter cette maladie et le divorce. Et après, je vais vous expliquer la suite, comment vraiment il m'a restauré. Mais c'est pour vous dire que cette rencontre vraiment a changé ma vie. Et ma vie a pris vraiment une tournure que je ne... Il n'y a pas de mots pour vous expliquer. Il n'y a pas de mots pour vous dire vraiment comment le Seigneur a fait un travail vraiment minutieux dans ma vie. Parce que vivre pendant 8 ans étant malade, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout me retrouver avec 3 enfants qui étaient adolescentes à cette époque, ce n'était pas quelque chose de facile. Alors c'est pourquoi franchement, je suis reconnaissante envers le Seigneur. Parce que j'ai su reconnaître sa main dans ma vie le jour où il est entré. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage à laisser le Seigneur entrer dans votre vie. Parce que quand il vient dans une vie, c'est pour la transformer. Quand le Seigneur vient dans une vie, c'est pour changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Moi, je suis un témoignage vivant de la main de Dieu dans ma vie. Parce que je savais qui j'étais avant. Je connais mon histoire. Mais Jésus-Christ, il est celui qui est venu et qui a changé mon histoire. Il a transformé ma vie. Alléluia. Quand la Bible déclare, il nous a envoyé la parole et sa parole nous a guéri. La parole de Dieu a guéri. Oh, alléluia. Mon âme qui était complètement abattue et mon corps qui était malade. Alléluia. Jésus a su me transformer. Il a su me changer. Alléluia. Jésus a su donner un sens à ma vie. Je vous le dis, vous qui m'écoutez, ma vie n'avait pas de sens. Pourtant, je mangeais, je m'habillais, je sortais, j'avais des amis, mais ma vie, au plus profond de moi, j'étais quelqu'un qui était complètement abattu. Ma vie n'avait plus de sens. Et en plus, les médecins viennent me dire, « Madame, je ne peux plus pour vous. » Alors, vous savez, parce que notre espoir, souvent, quand on est malade, c'est les médecins. On pense toujours que les docteurs vont nous guérir. Oui, c'est vrai. Dieu les utilise pour ça. Mais par contre, n'oubliez pas que c'est des hommes. Parfois, ils mettent un point, ils ne peuvent plus continuer. Mais Jésus-Christ est celui qui vient et qui a mis une virgule dans ma vie. Et ma vie a continué. Et je donne gloire à Dieu. Je le bénis. Je le sanctifie tous les jours. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi ouvrez vos cœurs. Laissez-le entrer. Parce qu'il sait ce qu'il va faire dans votre vie. Il sait comment changer votre vie. Il sait comment la transformer. Parce que parfois, on peut croire qu'on est bien. On peut croire que tout va bien. Mais Jésus-Christ, il sait qu'au plus profond de nous, et que ça va mal, et que ça va très très mal. Mais aujourd'hui, je peux dire, avec Jésus, j'ai une vision, j'ai une destinée. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia.